D'un armateur réginéen. En gros, c'est visiblement le seul armateur réginéen qui peut construire un bateau.
principalement du grès. Pas que, parce que le cours du grès monte et descend, quand le cours est trop haut, c'est pas intéressant. Du coup, il va se tourner vers les paysans et il va transporter des oignons, des vaches, des chevaux, des pommes de terre, du charbon, diverses choses. Qu'un bateau à voile, on ne peut pas aller à un... Donc le bateau a une voile, devant 60 tonnes de charge obligatoire. On charge du grès, on va le livrer au Havre par exemple. Au Havre, on reprend autre chose. Et on reprend 40 tonnes. S'il n'y a rien à reprendre, on va sur la plage et on remplit les fonds avec 40 tonnes de sable ou de gravier. Albert, et on rentre dans une rivière et on arrive à Pompéi. Thank you.
Oh,